Salut à tous, c'est RadéL38 pour une nouvelle vidéo sur Alien Isolation. Bon, nous étions arrêtés, je crois, ici. Et, on va continuer, du coup. Donc, du coup, j'ai vu au dernier épisode que je pouvais me faire... pas du tout, finalement. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Attendez. Il est au-dessus de moi et j'aime pas ça. Bon. Je vais faire ça. Voyons voir ce qu'il y a à faire. France, je vous laisse regarder. Partager, audio bien. J'ai activé son truc là. Ça n'a pas l'air de marcher. Qu'est-ce qui... Et je vois un truc. Ok, pour l'instant il est sympa. Ça me va. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que maintenant je peux activer ça? Non. Pourquoi donc? Ah, il en manque un. Ok. Ok, bon. Est-ce qu'on peut se planquer là-dessous? Non. Et tu viens pas l'alien. Attendez. Juste au cas où. Ok. Pensant, il n'y a rien. Oui, je sais, je panique beaucoup. Je panique beaucoup, un peu pour rien. Mais comprenez-moi, bordel. Activer, restaurer la génération et la température optimale. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'allais à côté. Putain, mais ça me fait stresser là. Est-ce qu'il y a au moins une bouche d'aération ici? Non.
joues avec moi là. Ok. Ah, là je peux en faire une. Ok. Il semble avoir vu dans une vidéo que les mines UEMS pouvaient les faire s'éloigner. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Samuels, il y a un docteur Lingard, officier médical supérieur. Si je fouille dans son bureau, je saurai sûrement où trouver ce qu'il me faut. Mais avant, il faut que je rétablisse le courant. Bonne chance, Ripley. Fais ton plus vite. Ok. J'aime pas ça. Ça, vous le savez que j'aime pas ça. Mais vous savez quoi, je continue, hein. Parce que... Parce que je suis comme ça, hein, parce que... Parce que voilà. Mais je sais, je parle pas beaucoup. Ça n'a rien fait. Ok, nous voici. Bon, oui, j'ai un peu changé d'endroit, je sais. Mais bon, je suis à côté de la pièce là où j'avais atterri. Ne vous en faites pas, je ne suis pas parti trop loin. Ok, pour l'instant, l'alien ne s'est pas trop déclaré. C'est où déjà? Faut que je parte... Ok, je vois. Ok, ça va. Ça va. Il y a une tempe, s'il te plaît. Ok. Actualiser la carte. Je vais faire une IEM. Ok. Ouf. Bon, j'ai une IEM au cas où. Pompe tuyau, je vais garder ça. Pompe fumigène, je peux pas. Enfin, je peux. Le gland, ça ne me servira à rien. Oh putain! Joigne-toi s'il te plaît. S'il te plaît, va loin. Voilà. Il y a un conduit juste au-dessus.
Ok. Tac. Non, pas d'audio. Ok. Ici Lingard, officier médical supérieur de Sébastopol. Je voudrais que ce soit bien clair pour les archives. Notez qu'on m'a mise sous la contrainte au sujet du patient zéro qui était infecté. Ransom, le chef d'opération de Sixon, il a proféré des menaces envers ma carrière et ma formation. Notez bien ça. Mais je vous jure, cette femme avait besoin d'aide. J'ignorais à quelle sorte de parasite j'avais affaire, mais il avait planté quelque chose à l'intérieur d'elle. Je suis tellement navrée. Mais je ne pouvais vraiment pas savoir ce qui allait se passer. Ok, donc la naissance de l'alien, on nous a raconté. La naissance de toi, hein, on parle de toi. Tu vas être content. Ah, tu es là. Tu es là, mon coco. Et tu es toujours au plafond. Ça m'arrangerait. Putain, ça m'a fait flipper ça! Oh mon Dieu! Ok, il va falloir que je fasse tout le tour, c'est ça? Ok, donc ça va, c'était des flammes. Donc il a un côté bouché. Pas traverser les flammes, ils ont peur des flammes, les aliens. Tant que tu sautes pas de là-haut, ça me va. Ok. Ah mais vous avez vu où il était passé? Oh bonne mère. Et sur Terre. Ok. Il revient par là. Il a l'air vénère.